Un zigzag à la salle Grappelli à Nice avec HVN, Monsieur Florent, Eugem et 90 Story Company. Bah, puisque tu parles de ça, je me permets de te couper. Le résultat du zigzag 2012 est tombé. Donc, ce sont les Petits Galets qui ont remporté la finale. Les trois sélectionnés pour l'année 2012, ça avait été Bikini Bottom, Monophonique Interzone et Petits Galets. Bikini Bottom, je vais y arriver, se sont séparés au cours de l'année. Donc, ils ne participaient pas à la finale. Et donc, la finale, c'était entre nos amis de Monophonique et nos amis des Petits Galets. Et c'est les Petits Galets qui l'ont remporté. C'était la semaine dernière au Théâtre Lino Ventura. Il y avait Ben Mazué, le niçois aussi, qui jouait avec eux. On continue donc vendredi 21. Donc comme le disait la sélection du Printemps de Bourges, donc au Lino Ventura avec Red Rome Orchestra, Gaillot, Hugo Kant, et on termine avec les Little D Big B. Voilà, il faut être là. C'est moi qui fais tout. Il faut être là pour les soutenir. Je pensais que Gilbert t'aiderait, moi, oui, aussi. Moi aussi. Mais Gilbert ne fout rien ce soir. Ah. Sacré Gilbert. Ah. Flébard, va. Donc voilà, donc là, c'est la soirée de la fin du monde. Il y a plein de choses. C'est le vendredi 21, c'est incroyable. J'ai toujours voulu faire des trucs pour le 21. Après la partouche géante, Plasma Sénat, 18h. Fais gaffe, il regarde du monde. Ben c'est le but, sinon c'est une page géante. le même soir, le 21, au volume, les Mambo Disease et The Oligot. Mambo Disease, c'est Alex Leon Meyer. Entre autres, nombreux projets musicaux. Un projet en plus. Et puis il y a un show burlesque après, DJ, etc. Ah, c'est notre ami DJ Mao, tu sais. Ah, Baldu. Voilà. qui fait un machin après. Et c'est lui qui fait le striptease. Ah, ben je sais pas. J'espère. Non, je m'en fous. Ça m'étonnerait. Hein. J'espère qu'il est frappant. Bon, d'accord. Puis alors, pour le. Je sais qu'il y avait aussi des annonces avec quelques. Alain Souchon, je sais plus lequel, je sais pas où. Là, mais moi, j'ai pas noté. Non, moi non plus. Le même soir, le 21, il y a dans un bar, le Stardust, concert de la. Avec Latex et Destroy Cult Disco. Et puis il n'y a pas aussi un truc au Cage ce soir-là? Non, c'est le lendemain, concert du jour nouveau. Ah, c'est le jour nouveau, d'accord. avec James Stone Rob. Ah ouais, James Stone Rob, d'accord. Voilà, voilà. Et puis toujours dans les Inouïs des Printemps de Bourges, là, au même endroit et le lendemain, le samedi 22. Au TLV, au théâtre Lino Ventura. Donc on aura Benjamin Fincher, qu'on connaît et qu'on apprécie beaucoup. Hein. Iraka, j'avoue que je ne connais pas. Mais Okay Bonnie, c'est un groupe là, qu'on va faire un morceau, un extrait tout à l'heure, en concert. Et puis Temenik Electric. Voilà, tout ça, c'est de la musique, un peu, il y a de l'électro, il y a un peu de tout, c'est varié, comme le premier soir. Ouais, voilà. Et ce jeudi, Kit Francescoli à Marseille, au Poste à Galène aussi, qu'on aime bien. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Donc voilà, ils existent toujours, ils font toujours des concerts, tant mieux. Et Simon nous a sélectionné trois concerts d'Alain Souchon, alors je sais pas. Il suit la tournée. Ben oui, il fait une tournée par chez nous, Souchon. Il y a trois dates par chez nous, le Aix le 19, à Fréjus le 20, et enfin à Sanary-sur-Mer le 21. Voilà, il se balade sur la côte. Ah ben je vais pas en manquer, hein, Il y a Woolsey qui va jouer à Cannes aussi dans pas très longtemps. Et sur marché. Ah, évidemment, sur moi Souchon, ben, Woolsey. Voyons. Bon, ben, je pense qu'on a fini les annonces de concert. T'as autre chose, Benoît?